Yep. Wow, 56. Qu'est-ce que... Oui, 56, c'est là où cuira. De 73-51, t'as vu, ça a été le temps que je démarre tout. Entre le double bip et le moment où je réponds. Justement, je suis en plein en train de bosser là sur tes vidéos. Là. Ah, je suis trois coups. Là, je suis en train de d'éplucher la première. Ouais, je sais bien, tout à l'heure, c'était en train de piailler là, de tous les côtés, là, avec le Brésil et tout ça. Ah, chi, trois coups. Bon, moi, j'ai allumé la station à... Eh bien, il y a 2 heures. Ça fait 2 heures que la station est allumée. Je me suis baladé un petit peu partout, ça. Ouais, c'était surtout Italie, Brésil, surtout de ce côté-là, quoi. Comme là, le siffleur, là, bon, on sait qu'il est du Brésil, lui. Ouais, la propague est retombée, là, un peu, là. Ça fait le yo-yo, là, ça... Faut laisser monter la sauce. Ouais. Ouais, ben toi, là, là, on est vraiment là, juste à l'entrouverture de la porte là, pour la propague. Enfin, pour la propague Québec-France, France-Québec. Si. Et oui, parce que je m'attendais à avoir le temps de travailler les 2 vidéos avant de t'avoir en fréquence. Eh bien, c'est raté. J'ai même pas fini la première, puisque là, alors attends que je regarde, j'en suis à. Eh bien, toi, j'étais rendu à la 17e minute là, de ta vidéo, là, j'avance, 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 justement là pour voir un petit peu. Sans être trop précis en fréquence, je recherche en même temps là, ce que tu m'as dit là, en message perso. J'ai eu de la cacophonie là de mon côté, il y a eu de la cacophonie. Ah. Bon, pour le moment, je suis que sur une seule oreille, la droite, hachi, puisque l'ordinateur est pris pour autre chose. Alors, donc là il est, eh bien il est 8h15 chez lui. Bon, je crois que je reviendrai. Hop là. Bon, ça va être difficile là, de travailler les vidéos et dans le QSO, quoi. Au secours. J'embauche. Secrétaire forte poitrine. De
Ok, merci. Surtout que vu que là l'ordinateur est pris par les montages vidéo, je peux pas avoir les oreilles partout là. Là, c'est pas possible. Il y a un choix à faire. Donc je suis que sur en écoute sur le poste uniquement. Donc les 73 51 retournés à lui. Là, depuis le sud-ouest de France, à côté de Saint-Émilion. Le pays des ivrognes. Non. Le pays des gens qui luttent contre la désertification des emplois. Alors là, je suis parti dans n'importe quoi, là. Non, contre le risque de chômage de mon côté. Ok. Ouais, surtout, comme je disais à l'instant, là, je suis que sur l'écoute du poste. J'ai pas de web SDR de lancer en même temps à côté pour bien entendre, car j'ai l'ordinateur qui est pris par tes vidéos, hachis trois coups. Eh ben non, eh, j'avance doucement, c'est toi qui es arrivé trop tôt là. Dis à la propague de revenir tout à l'heure, t'es arrivé beaucoup trop tôt là pour moi, j'ai pas eu le temps quoi. J'en suis qu'à la moitié, je suis même pas à la moitié de la première vidéo là. Ouais, c'est bien parti pour, hein. Mais je pense que là, là, si je continue comme ça, là, je vais me vautrer à un moment donné, je vais me planter dans ce que je fais. Je pense que là, je vais passer en QRX, mais tout en restant en stand-by derrière. Là, pour me replonger là sur les vidéos, me dépêcher là, à ça, et pour vite revenir après sur la fréquence. Donc, je passe en QRX, je te dis à tout à l'heure. Voilà, ce coup-ci, je reviens avec les deux web SDR. Ah, zut, j'ai pas lancé de travailler la vidéo. Quel con. Créer. Tac. Le zoom qu'on a entendu là, c'est ça. C'est bon, j'ai quelques minutes devant moi. Alors, hier dans la vidéo, justement, j'avais découvert qu'il y avait des filtres DSP là sur les web SDR, sur Kiwi SDR. Donc là, ils sont enclenchés là. C'est vrai que ça casse moins les oreilles quand même. Hein. Il n'y a pas photo. Hein. Angile, de retour pendant que le travail de la première vidéo se fait. Ah, il est où? Ah bah zut. Bon, bah ce sera pour tout à l'heure. Ah non, par contre, c'est bien là. Alors, 265. Alors, au Québec, là, il y a du monde ici. Canal 26 AM. En fin de la vidéo là d'hier, j'ai fait un passage là-dessus, justement.
Pascal. Pascal, un copain sur le Québec, m'avait passé l'info. Et c'est vrai que c'était très actif. Et... ouais, des perturbateurs en FM. Wow! Santiago 9. La propague est bien là. On va faire un petit essai. Ah, j'ai sacrément monté le WebSDR. Et c'est ce WebSDR Montréal-Ottawa. 1, 2, 3. Oh, ça passe. Ça marche bien. Oui, 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 monsieur. Moustache. Non, c'est où? D'accord. C'est sur Ottawa que sa moustache comme ça. Du côté de Montréal, Laval, là c'est assez calme. Et là j'ai 20 minutes de travail vidéo devant moi, plus la vignette de début à préparer, mise en ligne, et j'attaque la suivante. M'amuse bien moi avec ça. Moi. Bon, ok, on va faire une nouvelle petite pause. Le temps d'aller là où on peut pas aller à ma place et il revient. Bon, encore un quart d'heure. Ah, je l'ai en direct et à droite et à gauche. De retour. Là, j'ai enlevé les filtres, les DSP là, du WebSDR. Voilà. De retour.
Les 73-51 à l'OM que j'entends aussi bien, enfin aussi bien que j'entends en QRP en direct et via WebSDR Montréal et Ottawa. Il passe par tous les trous. Il est 73-51 lui, 14 km 33-01 Rémi, la Gironde à côté de Saint-Émilion. Oui, affirmatif, c'est lui que j'ai entendu en QRP. Alors toi, tu m'arrives bien. C'est lui que j'ai entendu en QRP en direct et via les WebSDR. Là, j'ai un quart d'heure là devant moi, là, un petit quart d'heure devant moi, là, justement pour prendre le micro. Là, c'est bon. Là, pendant ce temps-là, là, ta première vidéo est en train de travailler. Ah là, ça a été compliqué là pour le sortir. J'ai essayé de l'avoir en direct et oh, la propague a monté. Ça monte. Gilles, ça monte. J'entends ma grande gueule dans le web SDR. Ah, chi, trois coups. Ouais, là, ça a été assez compliqué. Là, je l'ai perdu là sur la fin. Là, la propague a tourné et du coup, j'espère que je suis pas en train de surmoduler là. Oui, ah ben tiens, juste au moment où tu l'as dit, effectivement, ça, c'est ce que ça a fait aussi, parce que t'es passé de 4 à 6. Là, ça fait yo-yo, là, je t'ai perdu, là, un peu, là, sur la fin. Ok, tout ça retourné également. Non, j'avais une connerie en tête, mais là non, faut pas là, j'ose pas là. C'était une histoire de va-et-vient là pour le coup là. Je vais et je viens, comment veux-tu que je t'entende bien? Bon d'accord, j'ai déformé complètement une chanson de Gainsbourg. Prends du Viagra! Hey, dis-lui de prendre du Viagra pour que ça monte davantage. Bien ces DSP. Ouais. Maintenant, c'est bien, c'est sûr. Mais un vrai bon filtrage se fait avant que ça rentre dans le poste. Là, c'est quand même mieux. Après, on affine avec un DSP.
Mais bon, faute de mieux pour filtrer en entrée, ça fait quand même le job. Wow, y a plus personne? Ah, c'était la propague était retombée là un peu là. C'est vrai que là t'es là tu passes QRP là par rapport à tout à l'heure. Ok, compris, prends du Viagra, ça fera monter la propague. Peut-être pas que. Ah, ben là, maintenant, ça passe mieux, là. Là, ce coup-ci, oui. Et bon, je vois, là, j'ai un bon retour, là, dans le web SDR. Oui, as-tu testé, au fait, sur le web SDR, là, les réglages des filtres, là, des DSP, là, qu'il y a dessus? Et là, j'aurais à nouveau refait, là, une petite démonstration, là, dans la vidéo. Et c'est vrai que c'est le jour et la nuit, là, aussi, hein. Et, eh bien, c'est pas compliqué, au niveau volume, là, au QRA, je suis à, eh bien, à deux fois plus, j'ai le volume du web SDR qui est, du coup, deux fois plus haut que d'habitude, tellement que ça me filtre bien derrière, ouais. Alors, plus l'autre DSP, là, qui est sur le poste, là, c'est roi carotte, moi. Il me manque plus qu'un haut-parleur DSP dans le push. Mais bon, pour le moment, je m'en fous un peu, puisque de toute façon, le push, je l'ai plus en ce moment. C'est l'XYL qui me le vole tous les jours en ce moment. Hachi. Ah, encore 6 minutes de 6-7 minutes de travail pour la première vidéo. Bon, je la mettrai en ligne aussitôt, et j'attaque dans la foulée la seconde. Ah, ça fait yo-yo. Ah, j'entends siffler derrière. Oui, ça a fait la même chose hier. Je pense que c'est pire aujourd'hui que la journée hier. Ouais, et pourquoi on ne prendrait pas les vidéos d'hier pour les remettre aujourd'hui? Oh, à propos de vidéos, toi, tu as vraiment de la chance au niveau de tes caméras. Hein. C'est... Ah oui. Pour un même temps de vidéo, tes vidéos sont deux fois plus légères que les miennes. Hein. C'est disons que la résolution, toi, sur tes vidéos est deux fois moins grosse que moi de mon côté sur mes vidéos. Et ça c'est vraiment super. Puisque je vois, moi, la vidéo d'hier, eh bien, elle m'a fait 2 heures. Et donc 2 heures de vidéo poids lourd, hachis. Et tellement bien lourd à gérer au niveau du logiciel, je parle de ma vidéo là, tellement lourd à gérer au niveau du logiciel que j'ai eu 5 ou 6 bugs à la suite comme ça dans le montage vidéo avec redémarrage de l'ordinateur et ceci et cela. Ah, ça m'a bien pris la tête. Hein. Les vidéos de 2 heures, c'est pas pour moi. Hein. Oh la vache. Ou alors il faut que je coupe. Il faut que j'en fasse, il faut que je coupe en deux, comme on fait là, là du coup pour toi. Enfin, oui, tiens, pour celle d'hier, du coup, ouais, ben j'en ai fait que deux. Enfin, j'en fais que deux là pour hier. Oui, faudra que j'y pense moi aussi à couper mes vidéos en deux, hein. Parce que là, ça fait vraiment trop lourd moi pour le logiciel au niveau de mes propres vidéos pour gérer ça, quoi. C'est ah ben j'y suis arrivé au bout du compte hein, à travailler ma vidéo. C'est mes 2 heures de vidéo de mes vidéos à travailler. Le logiciel il capitule, il prend une syncope. C'est alors que toi, je vois la fois où tu as eu une vidéo de 3 heures, eh bien c'est très bien passé moi au niveau du logiciel. Hein. Eh oui, c'est là où tu as de la chance de pouvoir faire des vidéos légères. Et ça, c'est vraiment bien, ça.
Ah, j'aimerais bien pouvoir réduire la résolution de mon côté, là, de mes vidéos, la même chose que toi, mais je suis déjà au minimum, je peux pas. Ça voudrait dire changer encore de caméra et tout. Non, là, c'est bon. Ah, mais moi aussi, il faut que je me mette à couper mes vidéos au bout d'une heure et quart, pour faire comme toi, plusieurs séries comme ça. Ah ben tu m'étonnes, avec le top, le touchpad, le top de l'ordinateur, c'est sûr que là, c'était pas évident, hein, que là maintenant, t'es une souris ou un mulot, comme t'as envie de l'appeler. Et là, c'est sûr que là, c'est roi carotte, là. Hein. Ah oui, là, c'est sûr que ne change rien. Hein. Reviens pas à l'ancien système, hein, surtout pas, quoi. Là, ça va tout seul, là, maintenant. Hein. Mais je m'en suis vite rendu compte, hein, qu'il y a quelque chose qui avait changé. Hein. D'un seul coup, on est passé de. Tu sois obligé de renvoyer plusieurs fois les vidéos et ceci, cela, à maintenant, eh bien, ça fonctionne tous les jours. Voilà. Tous les jours, j'arrive à j'ai tes vidéos et tout, ça, c'est nickel, ça marche bien, là. Ah ouais. Oui, monsieur! À tout casser, en tout cas, on entend au moins les gens de 14 qui sont Facebook là, faire des vidéos de 2 heures, oh là là, un peu long. Pas sûr que c'est une bonne idée en tout cas. Non, c'est pas une bonne idée du tout. Ok, je reprends en espérant surmoduler personne. Ok, c'est bon, les 73-51 André. Ouais, tu as raison, c'est pas une bonne idée du tout. Mais tu sais, c'est comme un enfant. Tu lui mets un jouet dans les mains, eh bien, il veut plus le lâcher. Et là, pour les vidéos, je crois qu'on est tous pareils. On commence à faire mumuse avec les vidéos et tout, et on les lâche plus, quoi. On les lâche plus, on en veut toujours plus. C'est aussi un peu comme un bon gâteau, quoi. On en veut toujours plus pour prendre la part entière. Non, mais c'est sûr que là, je vois, pour ma part, j'utilise le logiciel Videopad. Et au niveau résolution vidéo, je suis en 1200 ou 1024, quelque chose comme ça. Mais résolution caméra la plus basse en plus. Donc, ça fait trop lourd, moi, pour le logiciel. Alors que lui, Gilles, il est en résolution 640 pour ses vidéos. Alors là, c'est que du bonheur, c'est du caviar, là, pour moi, à travailler. Là. Oups, la vie est là, la propague a tourné. Salut, bon après-midi. J'ai raté ton prénom. Comment tu te sens? Rémi.
Romeo, Echo, Mike, Yankee, Rémi ou Dandy 33 si tu préfères. Alors, pour les vidéos, pour les longues vidéos, alors justement, il y a deux écoles à ça. C'est vrai que les vidéos courtes, c'est pas mal, mais ça en fait beaucoup plus. Par contre, j'ai l'exemple d'OM qui travaillent sur la route, hein, des routiers. Quand ils ont rien en fréquence, eh bien ils écoutent les vidéos. Et là, ils n'ont pas besoin de changer de vidéo à chaque fois. Ils écoutent tout d'un coup et ils sont tranquilles tout au long de la route pour écoutant les vidéos. Justement, tiens, il y a 14 kilos Mike. 56, je sais plus combien, Barracuda 56. Lui, c'est ce qu'il fait. Quand il a rien en fréquence, eh bien, il se met sur les vidéos, et sur la route, paf, il écoute les vidéos, comme ça, tac, et quand c'est long comme ça, eh bien, il est heureux. J'ai l'impression que ça passe mal de son côté. C'est bien d'être à la fibre. Je dis ça parce que avant j'étais en ADSL et quand j'envoyais une vidéo, ADSL faible débit, quand j'envoyais une vidéo, il fallait une nuit. Surtout une vidéo comme celle d'hier. Ah ouais.
Il fallait la nuit. Là, je suis en train d'envoyer celle de... Je viens de commencer à envoyer celle de, justement, de Gilles, là, sur sa chaîne YouTube. Deux minutes. Bon, après, il y a le temps d'analyse et tout. Bien sûr, le temps d'analyse est plus long que le temps de chargement, du coup, là, à la fibre. Concentré sur ce que je fais. Ah, je suis pas multitâche, bordel. Bon, allez, on se concentre un peu. Break. Je pense qu'on peut y avoir un peu de voiture, parce que c'est... Je vais pas y aller. Allez,
fait des coups. Alors, on est depuis hier pour le ramener, là. Ils sont juste à côté. Très à côté. C'est moi, je passe en QRX. Je vais travailler la seconde vidéo, Gilles, à tout à l'heure. Là, je suis pas sûr que... Hop, désolé si je surmodulais quelqu'un. Je disais que là, je vais passer en QRX. Je vais travailler la seconde vidéo, à tout à l'heure. Thank you.
Affirmatif. Bon, ta première vidéo d'hier est en ligne. Je vais passer en QRX pour travailler la seconde vidéo. Je te dis à tout à l'heure. Wow. Bon, ça fait quelques minutes là que j'entends plus personne. Attention, 9 bravo Charlie 555, le Tannon pour 14 km 33 01, Rémi Dandy 33. Je croyais que la porte s'était refermée. Ouais. Bon, du côté web SDR, bon, c'est vrai que là j'entendais du monde, ceci, cela. Qu'est-ce qui se passe là? Attends deux secondes. Non, c'est mon téléphone qui fait les siennes. Ouais, j'entendais gazouiller là, du côté web SDR, mais rien de francophone. Et je me suis dit, oh oh oh, la porte s'est refermée. Eh mais non, eh mais non, eh mais non. Et j'entends. La vache folle. Là, bon, j'ai eu un passage de vache folle. Désolé pour le coup. Bon, là, je viens de lancer le travail de la seconde vidéo. Donc là, voilà, comme ça, en suivant, là, je vais pouvoir la mettre aussi en ligne. Ça va être nickel. Bon là j'ai pu aller plus vite sur celle-là parce que bon j'avais pas un truc, enfin je me suis rendu compte qu'il y avait rien par rapport à ce que tu m'as dit en message perso, ah, je suis trois coups, il y avait rien de désagréable dans la vidéo. par contre j'ai coupé quelques blancs là qu'il y avait, hein. Bon j'ai bien monté le volume pour voir s'il y avait quelque chose quand même dans le lointain de ça. Bon, donc il y a quelques plans que j'ai raccourcis, quelques porteuses aussi, là, quelques bruits de porteuses ou je sais pas quoi, là, que j'ai raccourcis aussi, pour que ce soit plus comestible, on va dire, à écouter. Oh, tu sais, j'ai pas raccourci grand chose là, sur la seconde vidéo. Hein. C'est à chaque fois, c'est des histoires de secondes, hein, on va dire, je sais pas, peut-être 30 secondes, des trucs comme ça, là que j'ai coupé et tout, ça, pour que ce soit moins chiant pour tes téléspectateurs. par contre, tiens, puisqu'on est que tous les deux là, on est en privé là, tous les deux. Hachi, tu m'as demandé un truc pour, je veux pas trop rentrer dans les détails, pour mettre au début de la vidéo. Je rentre pas trop dans les détails exprès pour que ce soit surprise, surprise. Tu m'as demandé un truc là pour mettre en début de vidéo. Bon, de mon côté, je suis prêt. Hein, il reste plus que toi à faire en audio quelque chose. là, je te stresse là. Mais comment je vais faire? Mais comment je vais faire? Eh bien, t'ouvres ta grande gueule, c'est tout, Gilles. Tu y mets de l'humour en plus dedans, et puis voilà, ça le fera tout seul. Ok, ah oui, elle est pas mal l'idée. Ok, d'accord. Oui, oui, ben j'écouterai ça, il n'y a pas de problème. Suivant le... Alors là, il est 15h45 ici.
Ouais, peut-être, je sais pas, je verrai si si la vidéo est arrivée avant que je parte embaucher. Ce soir, j'embauche à 19h. Bon, ici en France, il est 15h50 presque. Donc, suivant le temps que ça va mettre à arriver au QIRA, et fait ok, je récupérerai ce petit bout pour faire autre chose avec. Il n'y a pas de problème. Ouais. Puis en plus, puis après, je verrai au niveau son et tout si j'ai quelque chose à améliorer. Je verrai ça après. Ouais. Et dans les messages perso, faut que je vais remonter là dans. Faut que je vois. J'ai un million d'idées en tête. Quand tu dis machine, je suis pas sûr que ce soit très flatteur. Parce que quand on dit machine, je le dis en déconnant, hein, Gilles. On dit esclave en même temps. Hein. C'est, je plaisante. Hein. Par contre, t'as vu, la bannière du groupe a changé. Hein. T'as fait du super bon boulot dessus. Là, j'aime bien comment t'as fait ça, là, Gilles. La nouvelle bannière du groupe avec CB, les talents francophones et la fréquence de marqué plus ta tronche en dessin de demi. Ça fait super sympa comment tu as fait ça. Hein. Oui, merci beaucoup. On est en feu. On est en feu. Ah oui. Par contre, toi, ce qui est dommage, c'est que là, sur une image comme ça, le texte n'a pas pu être plus électrique, c'est-à-dire comme sur le GIF que tu as vu en message perso. Ça aurait été cool de pouvoir le rendre comme ça, et que ça puisse, qu'on le voie bouger, quoi. C'est vrai que ça, alors que là, c'est en image fixe, c'est moins joli. J'aurais bien voulu que ça soit en image animée, quoi, comme tu l'as vu en message perso. Ouais, c'est ça a fermé la porte et nous, c'est le dernier coup, là. Mais j'ai noté, je regarde plus tard, si ça fonctionne bien, si je vais faire, je vais prendre de quoi, là, tu vas plus d'allure. J'ai une occasion, une intervention qui vient de se manifester. Sans le filtre, sans le DSP. Ah, y a pas photo. Hein. Ça me manque de pas avoir, de plus avoir de deuxième ordinateur. Ah, j'aime pas rester inactif comme ça. Là. Et de cacophilie. Vous avez de la veille, vous, on a du
soleil. On a eu une petite pluie de neige cette nuit, là. Une petite poussière blanche au sol ici, Frédéric. Tu es belle? On fait avec, hein. J'ai cru de l'entendre en direct. C'est un peu comme la vie, elle va, la pêche et tout. Des fois, ça va bien. On en profite. Là. Et il passe en direct. Je l'ai un peu en direct. Alors, j'ai coupé du côté. Ah, je vais y arriver ou pas? Station kilomètre est très QRP. On va attendre tout pour être important. La station qui vient se manifester juste avant un kilomètre en avant. Bon, là, le WebSDR est coupé. En avant, bien. Là, j'ai coupé le DSP du poste. Oui, il y a une fréquence. Il y a un peu décalé sa fréquence. Il n'y a pas de souci. Je vais rétablir un peu. Ça va peut-être vous bouger contre. Je suis désolé. Pierre, je retourne le micro. Il a du mal à passer sur les WSDR. Ah, ça y est. Un petit quart d'heure de travail vidéo. Bonjour, Mille. Ah. Où ça? Ah. Bonjour. En fait, je suis comment là? Oh, ça tombe bien. Il y a des perturbations. Ok. Alors, c'est toujours ça.
toujours là. Ah, quand même. Allez, ça pour faire, c'est quand même du très bon signal ici, Jean-Pierre. Ton écho, elle fonctionne très bien. Il y en avait un petit peu trop. Moi, tu n'es pas obligé de l'enlever, hein. Toi, Gilles, il est super bien réglé ton écho. Il relève la voix sans pour autant déclencher un vrai écho. Ça, c'est le bon réglage. Enfin, je parle pour moi. Et ouais, Gilles, c'est ce qu'il cherche justement. Et il a son réglage. Faut plus qu'il touche. Ah, la propague a tourné un peu vers le nord. L'XY, elle est en train de débaucher. 16h, ça va être l'heure du petit goûter des petits enfants. Justement, pour passer en QRT. Avec des meilleurs signaux, ça va être tout de suite agréable. À toi, Claude.
Pour d'un dit endroit. Ouais, Gilles, c'est Rémi. Je vais passer là en QRT. J'ai du boulot là de mon côté, tout ça, tac, ainsi de suite. Et je pars au boulot. J'ai encore le temps. Peut-être que je referai un passage tout à l'heure si je trouve un moment. Sinon, on est 73-51, Gilles. À plus tard. C'est. Voilà, t'as, j'ai rien compris. Hachi, j'ai rien compris. Désolé, Gilles. Attends, là, ici, il est 16h05. Déjà, là, c'est l'heure du goûter des petits-enfants. Donc, on y va. Hachi. Et je crois qu'au niveau vidéo, je dois pas être mal quand même de mon côté. Alors, je vais essayer de modérer un peu. Alors, je te vois les bonnes 73-51, Gilles. Pour moi, je vais arrêter la vidéo là. Et si j'ai un moment, si j'arrive à trouver le temps, je repasserai tout à l'heure. Ta seconde vidéo d'hier est toujours en plein travail. Bon, je m'en occupe, y a pas de souci. Et puis j'attaque la mienne après en suivant et ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais. Hachi trois coups. Donc les 73-51, Gilles, et à plus tard. C'est ça. La possibilité, ok, Émile, mon ami, c'est ce matin-là, quand nous avons un zéro. À toi, micro, Émile. Oh, ça lui fait ça, il y a un peu. Seulement, ça fait un peu. Thank you.
Thank you.